Genshin Impact pour faire l'événement Théâtre Fongide. Déjà pour commencer, je sais pas si y aura de l'histoire, on va voir comment ça va se passer, mais là s'il y a beaucoup de blabla, cette vidéo là servira d'introduction et tout à l'heure ou demain, pour vous, il y aura la suite avec les combats. Donc déjà, il va falloir que nous nous téléportons au port d'Ormos pour aller ici pour vieux amis. Nouveau jeu. Alors déjà, si je pourrais tomber, ça serait cool. Voilà, du coup, j'ai plus de TP dessus. Et c'est les deux qu'il y a là. Les deux qu'on avait parlé précédemment. Mais oui, on leur avait... c'est les gens avec qui on avait parlé à la première édition du combat de Fungus. Sauf qu'à la fois, c'était des combats un peu style Pokémon. Et là, ça va être du combat style un peu comme on avait eu avec les tours. Je sais plus comment on appelle ça. Jeu de plateau un peu. Ouais, je sais pas comment on appelle ça, mais du Tower Defense. Comme on a vu avec les festivals dilués. Black Sou, la comète Dory et son compagnon argenté. Paimon, quel plaisir de vous revoir. Je vois que vous êtes en pleine forme. Tu as l'air d'aller bien, toi aussi. Ah, Anya! Et Monsieur Balfour! Qu'est-ce qu'elle a, elle? Quelle surprise de vous revoir au port d'Ormo. Bref, qu'est-ce que vous faites là? Anya, oui, et Monsieur Balfour, je me souviens que c'était l'emplacement du stand de gelée florale, ici. Ah, mes braves héros, je me sens beaucoup plus confiant que quand j'entends vos voix. Bien, il est temps pour moi de vous faire un rapport sur les résultats obtenus lors de notre travail. Désolé si je ne dis pas très bien, je suis un mauvais lecteur. Voilà. Auparavant, vous aviez tous deux déclaré que le tournoi de dompteur de la coupe des nœuds des Nilopalotus devait être suspendu le temps que l'académie améliore les orbes de sagesse. Les orbes, je crois que c'est ce qui devait contrôler les fungus, un peu le style de Pokéball de l'endroit. Voilà. Je suppose que vous attendez toujours des nouvelles à ce sujet. Oui, quand des progrès auront été effectués, Layla, Sino ou les chercheurs responsables devraient venir nous en informer. Ah ouais, Layla, Sino et... Pourquoi pas Farzan aussi? Tu ne comprends pas leur jargon de toute façon. Je n'aurai pas de suggestions pour eux de toute façon. Allez-leur. C'est bien vrai. On ne leur serait pas d'une grande aide. Peut-être mieux, peut-être même qu'on les perturberait. Quel sang-froid, quelle prudence. Je repense souvent à notre précédente édition grandiose de tournoi. Et chaque fois, je suis submergé par les émotions. Les souvenirs de fou, hein. C'est pour cela que j'ai récemment cherché à interroger certaines personnes à l'académie en lien avec ce projet pour obtenir quelques détails. À l'heure actuelle, l'amélioration des orbes de sagesse est encore en phase de conception théorique. Il faudra encore un certain temps avant qu'ils soient mis en production. Cependant, la première édition du tournoi fait de moins en moins partie des discussions, au point où les gens sont en train de l'oublier peu à peu. Nous ne pouvons pas nous permettre que l'influence de l'événement précédent soit ainsi perdue. C'est pourquoi j'ai approché Mademoiselle Anya pour lui proposer de préparer un nouvel événement thématique. Mais oui, Anya, c'était notre rivale. C'est la meuf qui avait un fungus. Parce qu'en fait, genre, il y avait des fungus qui avaient défoncé sa famille et tout. C'est bah, défoncé son village et tout. Et du coup, elle avait pris un fungus, mais elle était pas cool. Mais à la fin, elle a réussi à se prendre d'amitié de son petit fungus de feu. Et tout allait bien, qui finissait bien. Un événement thématique. Vous voulez parler de ces espèces de pièces d'échecs en forme de fungus disposées sur la table? Voilà ce qu'on voit là. Je sais pas comment je pourrais prendre un beau screen de ça. Ah, peut-être que... Ah, si, je sais comment. Tout à fait. Dans le cadre de l'organisation du prochain tournoi, Monsieur Balfour est allé chercher des sponsors partout où il pouvait. Il s'est même rendu à l'IUB pour apprendre de nouvelles techniques commerciales. Pas mal. Ah, il s'est donné. Ce faisant... Il a fait la découverte d'un certain type de jeu que l'on appelle le théâtre mécanique. Voilà, c'est exactement ça l'événement de base. Il a ensuite acheté les droits d'exploitation du théâtre mécanique pour la région de Sumeru et m'a demandé d'être sa consultante afin de l'aider à élaborer un tout nouveau type de jeu. Putain, à cette époque, il y avait déjà des droits, hein, genre les droits de la région, ça me fume. Pas mal. Nous l'avons appelé le théâtre fongique. Fungus. Ça va, ça va, ça va. Le théâtre fongique? Laissez-moi deviner. Ça consiste à diriger des fungus pour qu'ils aillent en découdre avec des mécanismes? Une réponse digne du compagnon argenté. Vous avez deviné du premier coup. Ah, ouais.
Selon moi, ce jeu est facile à comprendre et donc à populariser. Il dispose d'un très grand potentiel que l'on pourra exploiter. Ça peut être populaire, mais ça va être populaire, mais ça pourrait être un peu niche quand même. Je sais pas. Mais ça peut être très populaire quand même. Mais en fait, ça sera populaire, mais ça sera... Ouais. Si nous parvenons à le commercialiser comme un produit dérivé du tournoi de Dompteur, nous pourrons permettre à ce dernier de rester dans l'état d'esprit, dans l'esprit des gens à long terme. Excusez-moi. Ainsi, le prochain tournoi que nous organiserons attirera un public plus large et un plus grand nombre de participants. Bien sûr, cela ne peut se faire qu'avec votre accord. Après tout, vous avez le dernier mot sur la façon dont le tournoi sera organisé. Voilà que nous sommes le patron du tour du Tefungus. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Ouais, c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je suis bien d'accord. Blaxo et moi, on ne comprend pas grand-chose au commerce, mais ce que vous dites est loin d'être dénué de sens, Monsieur Balfour. C'est le fruit d'un travail commun entre Anya et vous. Je crois en vos capacités. Alors foncez. Maintenant, on dit long payment. Maintenant, allez, comment on dit? Machin de vie, là, genre, quand... J'ai aucun vocabulaire ce soir. Même sans avoir joué au jeu, je parie qu'il y a plein de gens qui vont l'adorer. Merveilleux! Avec un tel soutien de votre part, je peux faire la promotion du théâtre fongique sans me faire de soucis. Vous pensez qu'il peut y avoir un PVP, du coup, avec ce mélange? C'est pas trop mal, un PVP dans le PVE théâtre mécanique. Why not? Le jeu est toujours en phase de test, donc il nous faut encore demander à des gens de l'essayer et recueillir leur avis afin d'y apporter des améliorations. Je suis certain que la Comète Dorée, qui a déjà essayé une multitude de jeux dans toute Teyvat, saura fournir les commentaires les plus pertinents. N'hésite pas, Blaxou, c'est peut-être un des domaines que tu connais le mieux. J'ai l'impression que tu me donnes des ordres. Allez, à l'attaque, Comète Dorée! Par contre, il y a quelque chose que j'aimerais te demander, Ania. Tu veux des nouvelles de Chapotok et les autres, c'est ça? Oui, nos amis Fungus me manquent. Ils vont bien? Ne t'en fais pas. Ils sont tous en très bonne santé. Et ils ont la vie tranquille. Tournicoty, Tournicoton et Flashello habitent dans mon logement temporaire au nord de Port d'Ormeau. C'est un des participants de la dernière fois qui veille sur eux. Du coup, on va y aller? Chapeautoc et Pierrotjoie ne sont pas loin d'ici. Tu peux aller jouer avec eux si tu veux, compagnon argenté. D'accord. Pas loin d'ici? Blacksou, je veux aller voir Chapeautoc pendant que tu essaies le nouveau jeu. Bien sûr. Vas-y. Sans plus attendre, je vous invite à essayer notre version préliminaire de test du théâtre fongique, cher Comète Doré. Ok. Donc là nous avons le mini-jeu. Archive du plateau. Donc ça ce sont tous nos petits fungus précédents. Je suppose. Ouais c'est nos potes Chapotog, Zipporo, machin. Je sais pas du coup je voudrais bien savoir comment ça se passe chez vous. Si vous n'avez pas fait les précédents events, comment c'est proposé, si vous avez les pseudos, si vous devez redonner les blazes aux mobs ou pas, je sais pas. Ouais, du coup là il y a les trucs des têtes mécaniques, il y a exactement tout pareil. Ah non ça a l'air d'être nouveau ça. 1 sur 1000 le passe-vent et 1 sur 1000 aussi. Ouais, les trucs au sol, ça, je sais plus trop si ça me dit quelque chose. Mais c'est possible. Et là, ouais. En plus, là, ils ont un peu refait l'interface avec genre le fou. En plus, un peu plus en mis en mode style comme si c'était filtré. Du coup, c'est plus agréable à voir, c'est cool. Oh, regardez! J'ai pas fait attention, mais genre là, on est là. Et si on se retourne, vous pouvez voir Chapotok et Purojoie. Chapotok. Chapotok, Purojoie, à quoi vont-ils jouer aujourd'hui? Oui, écoutez, moi je suis plutôt professionnel de Fungus, vous savez. Voilà. Allez, moins vite, moins vite. Laissez-moi essayer de deviner ce que vous êtes en train de dire. Parce que du coup, il n'y a plus le décodeur, je crois. D'accord. Bah, pas mal. Donc, c'est parti. On part à la Belfour sans plus attendre. Nous allons pouvoir commencer la première épreuve. L'épreuve originel. Donc organisation de l'équipe 1, 2, bah, j'ai que ça pour l'instant. Je peux pas en ajouter plus. Dans information de niveau. Ok, c'est un truc à 2 et 2, cryo électro. J'ai de l'eau et du feu, comme ça fait un peu tout. Commencer. Ok, c'est parti. Est-ce que le temps de chargement est long là-dedans? Plutôt long.
plutôt longue. Donc, pendant le théâtre fongique, les dompteurs doivent commander leurs champignons pour vaincre tous les mécanicus. Oh, ils sont chiants à changer les fins. Un champignon choisit automatiquement le mécanicus le plus proche pour l'attaquer. Et vous pouvez suivre les lignes indicatrices blanches pour connaître les cibles de vos champignons. De la même façon, un mécanicus adverse cible le champignon le plus proche, ce qui est indiqué par une ligne rouge. On verra ça quand on jouera. Vous pouvez utiliser les boutons de la manette ou appuyer directement sur vos champignons sur le terrain pour basculer entre eux. Ah, c'est bien, il y a des raccourcis manettes. Cool. Bah, des touches raccourcis machin. Vous pouvez appuyer sur n'importe quel endroit du terrain ou le mécanisme adverse pour diriger. Ou mécanicus adverse, comme ça, adverse. C'est-à-dire qu'il y a vraiment du PVP? Plus ou moins? Pour diriger votre champignon vers cet endroit où commencez à attaquer le mécanicus. Ah. Vous devez utiliser des gemmes merveilleux pour ordonner un champignon de libérer leur puissante compétente, leur ulti quoi alors. Non, non, juste leur R2. Mais voilà. Les gemmes merveilleux sont restaurées au fil du temps. De plus, les protections élogieuses ramassées sur le terrain vous permettent d'obtenir des gemmes merveilleux supplémentaires. Certaines compétences nécessitent d'avoir une cible sélectionnée avant de pouvoir être utilisées. D'accord. Ah, c'est beau, comment s'afficher? Ok. Comment ça se passe? Je peux faire ça du coup. Si je fais triangle. Du coup, là, il fait sa compétence. J'ai fait croix. Oh, je comprends pas tout, hein. Imagine, là, je prends lui, je fais triangle. Et du coup, genre, je vise ça. Ah oui d'accord, en fait du coup là je prends lui et je peux choisir qui vise lui. Allez, on va mettre un petit ulti. Mais faut qu'il défonce le truc là-bas en fait. Alors là il y a un truc à récupérer. Ah c'est un peu, ça fait un peu en... Bon, moi je suis pas connaisseur mais ça fait un peu lol. Ou ce que tu dis au fungus d'aller. Je sais pas si c'est comme ça dans... Je sais pas, donc je connais pas non plus trop TF. Du coup on a réussi, du coup on va quitter. Comment ça s'est passé? Notre petit résumé, notre compte rendu, Comète Dorée. Quel est votre ressenti après ce premier essai du théâtre fongique? À en juger de votre expression, je suppose que vous n'avez pas encore d'avis définitif. Je n'ai testé qu'un seul niveau. Oui, avec si peu de contenu à tester, il est difficile d'analyser les forces et les faiblesses du jeu. Ne vous en faites pas, je vais rester ici pendant un moment avec Aninia pour vous proposer un nouveau niveau de théâtre fongique par jour. Il est chaud. Il en aura 7 au total. Donc une petite semaine d'événements de cet événement, pourquoi pas. Quand vous aurez le temps, venez me voir pour les essayer. Bien que toute décision finale soit de votre ressort, c'est Anya et moi qui avons pris l'initiative de créer ce jeu. Ce n'était pas dans vos plans, et cela vous occupe votre temps. Ouais. De ce fait, une compensation vous sera octroyée pour vos services. Je vous rendrai l'appareil lors du prochain tournoi. Splendide! Votre magnanimité est digne de louange. J'ai fait une demande de résidence suffisamment longue pour que nos deux amis fungus puissent rester au port d'Ormo lors de la phase du test, des tests du théâtre fongique. J'ai du mal. Le compagnon argenté pourra s'amuser un peu plus longtemps avec Chapatoc! Chapotoc! Quelle bonne nouvelle pour Paimon, hein, regardez là derrière. Allez. Hé, hey, toi aussi, tu devrais aller voir Chapotoc. Tu lui manques beaucoup. Tiens, prends ça. Quand tu joueras avec Chapotoc et Pyrojoie, tu pourras les nourrir avec ce qu'ils préfèrent. Ah, ça fait un peu mode Pokémon. Là, quand on est dans XY, on avait les... en bas de l'écran, on pouvait leur donner à manger et les entraîner et ça les améliorait. Chapotoc et tout. Tape-moi ça, Chapotoc! Allez, bourgeois, dansons avec Chapotoc. Même en étant assez proche de Pyrojoie, on n'est tout de même pas au point de communiquer aussi bien avec lui qu'avec Chapotoc. Tu es bien joyeux, Spymon.
Te revoilà, Blacksou! Comment ça se passe avec le théâtre fongique? Il reste encore plusieurs jours de test. Donc Anya et nos amis fungus vont rester ici pendant un moment? Chouette! 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 Je sais pas. J'allais te demander de rester ici un jour de plus pour qu'on puisse passer du temps avec nos amis et s'amuser tous ensemble. Mais maintenant, on dirait qu'on va pouvoir faire d'une pierre deux coups. On va pouvoir tester le théâtre fungique et jouer avec nos amis fungus en même temps. C'est trop bien! Après avoir passé de bons moments avec la potaquée pour leur donner des flûtes à manger, mais vas-y, on n'a pas le temps de lire, bouffon. Hé, ça réchauffe le cœur. C'est comme si tous mes soucis s'étaient envolés. Alors, je vous dis à demain, chapeau qui pur rougeois. Imitation, on rappelle. Ah, mais lui, c'est une toupie. Lui, c'est vraiment une toupie. Après, c'est un peu de fourreuse, mais. Ok, du coup, on a fini. Vieux amis, nouveau jeu. Voilà, donc je suppose qu'ils sont par la belle four maintenant. On n'aura pas de nouvelles épreuves. Donc, jouer au théâtre. Ah, on en a direct une, c'est nickel. Mais ça sera pour une prochaine vidéo, car alors ça fait déjà un petit temps qu'on dit. Du coup, ça sera Flamme de Samadhi. J'espère donc, du coup, archive. Ah oui, du coup, on a des débloqué Tournicotis, Tournicotons et Flair chez vous. Ça, c'est cool. Et là, d'autres trucs. Du coup, on récupère notre récompense. Du coup, ça chaque compte gemme et. Ok, toujours 50 gemmes avec des petites récompenses diverses. Ah, les Mora, ça va me faire du bien parce que actuellement. Regardez le nombre de Mora que j'ai. Attention, vous êtes prêts? Je crois que vous n'êtes pas prêts. On va là. On fait un, regardez en bas. 141. Voilà. Dites-vous que j'ai plus de primogèmes que de Mora. Bon voilà YouTube, j'espère donc que cette petite première vidéo d'introduction du théâtre fongique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit like, ça m'aiderait beaucoup et ça ferait très plaisir. Est-ce qu'on peut avoir accès à ça direct? Si je fais confirmer, accéder au défi, ça nous demande de nous téléporter. Ok, on est obligé d'être sur les lieux pour faire l'événement. C'est bien à savoir que des fois on n'a pas obligé d'y être, mais là on est obligé. Ouais, si la vidéo vous a plu. Ah, ils ont changé d'emplacement. N'hésitez pas à lâcher le petit like. Ça m'aiderait beaucoup et ça me ferait très plaisir. Lien du Twitch en description, c'est parce que je fais tous mes lives, donc si jamais vous voulez me suivre pendant que je fais mes lives, si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide ou quoi, n'hésitez pas, ou même pour jouer avec moi ou quoi, n'hésitez pas, le lien est en description, même pour passer un moment cool, à chaque fois c'est toujours sympa quand il y a des gens. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la vidéo en commentaire, que ce soit le des questions quoi, j'essaierai de vous y répondre au mieux. Et moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et je vous tout le monde. Plus.